l'expérience démocratique au Burundi. Les chances de réussir dans notre expérience démocratique sont là et sont évidentes, bien que des problèmes existent, bien sûr. Et ces chances sont liées au fait que cette démocratie est venue au moment où les Burundais en avaient réellement besoin. Ça fait 30 ans que le Burundi a connu un régime pratiquement de parti unique depuis l'indépendance. Mmh. Et sous ce régime, il y a eu beaucoup, beaucoup de tragédies, comme tout le monde le sait. Et les populations burundaises en étaient vraiment réduites à un état de prostration. Et les populations, lorsqu'elles ont eu la chance que finalement elles pouvaient se défaire du parti unique, elles l'ont fait de manière claire, sans équivoque, à travers les élections que tout le monde a suivies et qui ont donné la victoire aux forces de changement avec des scores indiscutables. Et le fait que la population s'est engagée sans équivoque est une des chances finalement qui prouve que est une des chances qui nous prouve que rien à faire, ce processus a des chances de réussir. Mais également le fait que ce processus se soit fait dans la paix prouve que les Burundais sont mûrs. Prouve que les Burundais ont voulu rompre avec les tragédies du passé, avec les violences du passé, pour construire un pays où tout le monde se sent à l'aise. Donc, en résumé, les chances de réussir cette expérience sont là. Nous sommes conscients des difficultés, mais l'immense majorité de la population burundaise s'est investie dans ce processus et cela est une garantie de la réussite de ce processus. Comment améliorer la santé au Burundi? Oui, les problèmes de santé dans son pays sont liés aux problèmes de la qualité de la vie, surtout la qualité de la vie en milieu rural. Comme vous le savez, la dysenterie par exemple est la conséquence d'une mauvaise hygiène en eau potable ou d'un manque tout simplement des adductions d'eau qui pourraient permettre à la population d'avoir de l'eau potable. Il en est de même pour d'autres maladies qui frappent malheureusement nos populations assez régulièrement. Alors, notre objectif est d'investir dans l'amélioration de la qualité en milieu rural, notamment par les adductions d'eau. Et à ce titre, il est prévu de faire un plan national d'hydraulique rurale pour que d'ici 5 ans, toutes les provinces soient couvertes des adductions qui pourraient permettre à la population d'avoir de l'eau potable. Et nous avons aussi un programme d'améliorer l'habitat rural. Parce que vous comprenez, les gens qui vivent dans des cases, ils attrapent pas mal de maladies liées précisément à l'insalubrité de ces maisons. Et nous allons donc investir dans ce domaine-là. Nous voulons aussi investir dans le domaine de l'électrification rurale et pour que cette électrification permette notamment la mise sur pied de certaines unités de transformation agricole, permette également une meilleure conservation des médicaments, permette également par effet induit l'amélioration en général de la qualité de la vie et d'autres circuits, notamment les circuits de commercialisation, notamment l'essor en général du monde rural à travers une industrialisation progressive en commençant par la petite industrie bien entendu. Donc, en résumé,
C'est en améliorant la qualité de la vie en milieu rural que nous allons faire face assez efficacement aux problèmes de la santé, précisément en milieu rural. Oui, et on a constaté cette semaine qu'il y a une très bonne coopération entre BNG Burundi sur ce domaine. Absolument, et j'en profite d'ailleurs pour remercier la Belgique pour la bonne coopération qui existe si heureusement entre la Belgique et le Burundi, et notamment dans ce secteur que je viens d'évoquer, l'hydraulique rurale. La Belgique, par exemple, encadre des adductions d'eau dans une province qu'on appelle Boubanza ici. Et nous sommes en train d'analyser le 6e plan quinquennal. Et j'espère que la Belgique pourra accroître ses interventions, non seulement dans ce domaine, mais également dans d'autres domaines que nous allons préciser dans le document du 6e plan quinquennal. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette intervention. Merci.